Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc Gary Ndiaye, Warul Tir, Warul Ragal, faisant partie des révélations cette saison, donc des révélations sénégalaises, parce qu'il a arrêté de peu, donc une sélection en équipe nationale du Sénégal. Ousmane Ba fait partie des joueurs ciblés par les Reds de Liverpool. Ousmane Ba, le défenseur de l'Europe, le défenseur de l'Olympiakos de Pirée, donc futur grand défenseur des Lions du Sénégal, est bien visé par Liverpool, parce que Liverpool actuellement, il cherche un remplaçant à Dejan Lovren qui ne fait plus l'affaire, donc il est barré par Joël Matip et Joe Gomez. Donc Lovren, il ne veut plus les affaires de Liverpool. Donc Liverpool n'est pas remplacé. Quand on fait remplacer, donc un Sénégalais pour accompagner Sadio Mané à Liverpool. Donc Sahel Soulaho, Ela Diouf, Sadio Mané et bientôt Ousmane Nouba. Donc d'après donc Tim Tulk et Sport Witness, les Grecs attendent minimum 20 millions d'euros. Donc Grec, 13 milliards de francs CFA, le Nihar, pour laisser partir l'espoir de la défense des Lions du Sénégal. Ousmane Nouba, bon, en tout cas, il est passé par le Gage Ajaccio. Dieu fait bien une saison. Nous, Diaïko, Olympiakos. Olympiakos, Allengo, pour terminer la saison. Actuellement, il fait les beaux jours de l'Olympiakos de Pirée, soit avec Pa Obissé, soit avec Ruben Semedo, l'international. Donc, le Portugais, Gisnéné, il a fait bonne figure. Il a fait un match Bahaba, surtout match de référence. Parce que football, du ben match kessé. Parce que vous avez fait un match face à Arsenal, gagné un match, ben match, rien de l'équipe nationale. Mais vous savez, nous devons être joueurs. Donc, il y a des Gazelle Ajaccio. À cette fois, on a fait un samedi des Lions, ou le baromètre des Lions. Donc, c'est tout doux. Parce que c'est un joueur qui avait de l'avenir. Fait pour Sénégalais, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Comme ça, il y a des joueurs Sénégalais qui ont joué. Donc, il y a un coup actuellement, il est en prompte progression. Progression de l'air. Et match référence, match Fari, c'est face à Arsenal. Donc il a vraiment muselé la doublette Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'est pourquoi donc Ousmane Nouba, donc vraiment il est visé par les restes de Liverpool. Et Sadio Mané vient de jouer un rôle. Sadio Mané pourrait jouer un rôle dans le transfert de Ousmane Nouba, parce que Sadio Mané, c'est un Sénégalais, il pourrait convaincre. Sadio Mané avait même apprécié sa prestation donc face à Arsenal. Donc rien à dire, hein. Vraiment Ousmane Nouba, c'est un très grand défenseur qui est là pour faire la différence et qui peut être un bon défenseur pour les restes de Liverpool. Donc Ousmane Nouba à Liverpool avec l'appui de Sadio Mané, lolou dara du ko dakh luy neex neex na dara du ko dakh yalla ñu yalla mussel ci coronavirus bi. Ousmane Nouba poulo, donc Moussa Wagé, quel avenir pour notre latéral international sénégalais Moussa Wagé? Donc Moussa Wagé, quel avenir pour Moussa Wagé? Donc ça, c'est la grosse question, parce que Moussa Wagé, sa carrière est devenue une carrière à rebondissement. Donc carrière à chaque fois, il y a des rebondissements. Filet dem, filet top, il y a une chance qu'il est remplacé. Mais vous voyez, ce qui est sûr, l'air va l'air, il faut que Moussa Wagé stabilise. Parce que c'est un jeune joueur, Warul Daoubaï Danou, 22 ans, il faut que Moussa Wagé soit un homme qui peut jouer. Il faut jouer. Parce que le joueur de Paris, il est un grand club. Donc c'est un risque, soit tu flambes, soit tu t'enlises, dans les jours. Real, Carbajal, dans le Bayer Leverkusen, bon, en compétition, nous avons eu. Achraf Hakimi, il a fait ses preuves, nous avons eu. Donc, qui dit Marco Asensio, dans l'Espagnol Basso, nous avons eu preuve, nous avons eu. Morata, dans le Juve, nous avons eu preuve, nous avons eu. Donc, il faut que le joueur soit patient. Des fois, c'est bien beau que le Barça, Bouna Lagé, Real, Manchester United, mais non, nous ne pouvons pas parce que ce sont des grands clubs. Ce n'est pas tout le temps qu'ils tapent à ta porte. Mais, nous avons eu attention. Mais Moussa Wagé, il a fait le bon choix de rejoindre Nice. Donc, il s'est dit Barça, Valverde lui avait promis le poste de doublure de Nelson Semedo. Parce que c'est Roberto, ils ont prévu deux coups de Milibi. Mais Milibi, nous délons sur Roberto latéral. Moussa Wagé a notre place. C'est pourquoi Moussa Wagé, il a choisi d'aller à Nice. Nice, il fait progresser. Il passe des zips, il joue. Donc, là, il y a un temps de jeu. Actuellement, la campagne Nice, il est bas. Mais avec le coronavirus, bientôt le mois de juin. Contre Am, Prem de Guerre. Parce que Prem, c'était jusqu'au mois de juin. Le Prem Boudiéhe, quelle destination pour Moussa Wagé? Fallait Moussa Wagé dem dans les délais Barça di xaar nan yalla baxna wala day tok donc qui s'étienne joxat ko ay faux espoir wala day dem club bo xamanteni dina ko permettre mu jouer, parce qu'il y a de très bons clubs qui permet aux jeunes joueurs de se développer comme Leipzig, Dortmund, Mönchengladbach, comme Allemagne c'est un bon tremplin formation de formation là Allemagne jour fa dem yeb après bu demé ci club bu magi donc ils réussissent. Donc, donc vraiment, Moussa Wagé, il doit faire le bon choix. Soit il reste en France. Parce que Nice, c'est un bon club. Nice, c'est un bon club. Avec Vieira, un très bon coach. Nice qui peut titiller les places européennes. Donc, Moussa Wagé, en tout cas, il doit faire le bon choix. Mais
retourner au Barça serait risqué. Parce que pour l'instant, il faut que nous fassions une saison dégueu, saison pleine, des passes décisives, comme Alessandro Arnaud, des passes décisives. Parce que nous sommes nouveaux. Vous savez que c'est un latéral qui est offensif, comme le football. Même s'il doit augmenter donc son physique, parce que physiquement, donc il faut que nous fassions un peu de temps. Parce que lors de la Coupe des Nations, Bela il est avec le numéro 8 de l'Algérie. Donc il faut que nous fassions un peu défensivement, offensivement, mon impact. Il fait de très bons centres, c'est un joueur technique. Et il peut être le nouveau latéral titulaire de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que Gassama Lé Moudjouye, il est né en 89, il aura bientôt 31 ans. Il a fait déjà 9 ans en équipe nationale du Sénégal. Donc, il faut que Moussa Wagé aussi dise la responsabilité, dise la place. Comme ça, il sera le latéral du futur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, c'est ça, Moussa Wagé, il doit faire le bon choix. Maintenant, quelle destination pour Moussa Wagé? En tout cas, il faut que ses conseils, moi, staffam, avocatam, agentam, nous regardons quel est le bon club pour que Moussa Wagé ait temps de jeu. D'abord, c'est le temps de jeu et ensuite la visibilité. Donc il faut que nous avec France et Allemagne, dem club bien entendu, il aura du temps de jeu. Après, non, 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 parce qu'il est jeune, il a 22 ans, il peut donc un jour rejouer pour le Real même, pour le Barça ou pour Manchester City. Parce que il y a l'Ohokendara, donc c'est ça. Donc il faut que Moussa Wagé réfléchir donc profondément, Hall, quelle destination prendre pour le bon déroulement de sa carrière. Donc Moussa Wagé, il faut faire le bon choix. Yalla Yalla Moussel, ci coronavirus. Moussa Wagé. Gay, gay, gay.